Go. Let's go, Liam. Let's go, Remy. Go. Go, Remy. Per lo scollinamento, adesso vediamo qui il pane buono anche per i keniati. Drugo mesto, Cesare Mirabu! Na tretie mesto, Dans la vidéo aujourd'hui, je vais faire un recap sur comment la deuxième partie de ma saison de course en montagne s'est passée. Plus tôt cet été, de début juin jusqu'à la mi-juillet, j'ai fait la première partie de ma saison de course en montagne où j'ai participé à 4 courses en Europe. J'ai déjà fait une vidéo sur comment ces courses-là se sont passées, fait que vous pouvez cliquer en haut pour voir ça si vous voulez. Après ce premier bloc de compétition, je suis retourné au Québec pour faire un mini-bloc d'entraînement de 6 semaines en préparation pour la deuxième partie de ma saison. Qui cette fois-ci était encore plus longue que la première, fait que ça s'est déroulé de la fin août jusqu'à la mi-octobre, fait que sur un total de 8 semaines où j'ai participé à 10 courses. Et il y a plus de courses que de semaines en fait, parce qu'il y a certaines fins de semaine que j'ai participé à 2 courses dans la même fin de semaine. Fait qu'aujourd'hui, je vais expliquer comment chacune de ces courses-là s'est passée pour moi. Puis je vais aussi expliquer plus en détail, donner un peu plus d'informations sur la Coupe du monde de courses en montagne. Parce qu'en fait, la majorité des courses auxquelles j'ai participé, surtout dans cette deuxième partie de ma saison, font partie du circuit de la Coupe du monde. Mais avant de parler de ça, je pense que c'est important juste pour mettre la table un peu, expliquer un peu d'où je viens puis comment j'ai fait le choix de me concentrer sur ce genre d'événement-là. Fait que je vais essayer de faire ça de la manière la plus concise possible. En fait, j'ai commencé la course à pied en 2016. Puis très rapidement, dans les premiers mois que j'ai commencé la course à pied, j'ai découvert la course en trail. Puis quand j'ai commencé la course en trail, pas mal immédiatement, je me suis lancé sur des ultramarathons de 50 km et plus. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais principalement, c'est dû au fait que dans les médias, ben, on entend pas mal juste parler des ultramarathons. On entend très peu parler des distances plus courtes, là, surtout en Amérique du Nord, là, je parle. Mais aussi, même la promotion que les événements font de leurs courses, souvent, c'est beaucoup axé sur les ultramarathons. Puis les plus courtes distances, c'est souvent vu comme des étapes pour éventuellement faire les ultra-distances. Fait que quand j'ai découvert le sport de la course en trail, ben, je voulais faire les vrais événements, si on peut dire comme ça. Fait que je me suis pas mal automatiquement lancé dans des 50 km jusqu'à 80 km. Puis c'est pas mal sur ce genre de distance-là que je me suis concentré de 2017 à 2022. Je pense qu'en rétrospective, c'est assez évident que j'aimais beaucoup m'entraîner, puis je faisais des grosses semaines d'entraînement, puis j'adorais m'entraîner pour m'améliorer, mais j'étais rarement excité à participer à des compétitions. Je pense que la raison qui explique ça, c'est que pour moi, ma raison de participer à des compétitions, c'est parce que j'aime justement l'élément de compétition. Puis cet élément, je le vivais moins lorsque je faisais des ultramarathons, juste parce que il y a beaucoup de facteurs externes qui peuvent nuire à ta course. Souvent, tu vas courir tout seul, puis le coureur en avant de toi, ça se peut qu'il soit 10 minutes en avant, puis derrière, ça se peut que ça soit la même chose. Fait que ça, c'est quelque chose que maintenant, je réalise que c'est une des raisons pourquoi peut-être j'appréciais moins participer à des compétitions d'ultra-distance, parce que je pense que les ultra-distances, comme pour beaucoup de personnes, ça m'attrait beaucoup, mais pour des raisons d'aventure, d'exploration, mais je suis moins intéressé à, mettons, fournir un effort à bloc maximal pour une ultra-distance. Fait que bref, en gros, c'est sur ce genre de distance-là que je me suis concentré jusqu'à l'année passée, où en préparation pour un ultra-marathon, j'ai décidé de participer au championnat américain de course en montagne qui avait lieu au New Hampshire. Fait que c'était une course qui était seulement en montée, qui a duré 50 minutes. Puis ça a vraiment été une révélation pour moi parce que j'avais fini 5e, qui était mon meilleur résultat à date. Fait que ça m'a réalisé dans le fond que ben mon potentiel, c'est probablement sur ce genre de distance-là. Mais aussi, encore plus important, c'est que j'ai vraiment, vraiment aimé mon expérience lors de la course. Puis ça m'a vraiment donné le goût d'en faire d'autres. Puis ensuite, une nouvelle opportunité qui s'est présentée à moi, ça a été de participer au championnat du monde de course en montagne qui avait lieu en Thaïlande en novembre dernier. Puis j'ai décidé de me lancer sur cette opportunité. Puis en Thaïlande, ça a vraiment été une confirmation à la fois que ben, c'est probablement ce genre d'événement-là qui convient le mieux à mes habiletés, mais aussi que j'ai vraiment eu du plaisir. J'aime vraiment ce genre de format de course-là aussi, que t'es engagé à 100% pendant la course, puis
il y a constamment des coureurs qui sont juste à côté de toi, puis ça te force à vraiment te dépasser au maximum. Fait que ça a vraiment été une confirmation que, OK, ben, en 2023, je veux vraiment me lancer sur le circuit de ce genre de format-là. Puis le circuit, ou la série de courses, en fait, que j'ai trouvé qui correspond le plus à ce genre de format de course-là, c'est la Coupe du monde de course en montagne. Fait que l'idée de la Coupe du monde, c'est comme un peu de l'athlétisme, mais en montagne. Fait que c'est des courses qui sont relativement courtes et qui sont très, très vite. Et on essaie d'éliminer un peu les facteurs externes qui pourraient empêcher l'athlète le plus en forme de gagner la course simplement. Fait que c'est des courses où généralement, il n'y a pas de matériel obligatoire, où les bâtons sont interdits et qui sont généralement pas trop techniques. Les distances, en fait, sont divisées en trois catégories. Il y a le style vertical, où c'est que c'est généralement 1000 mètres de dénivelé, fait qu'un kilomètre vertical. Ensuite, il y a le style classique, où c'est que ça, c'est généralement une montée suivie d'une descente. Et finalement, il y a le style long. Là, le long, c'est relatif. Là. En fait, généralement, c'est entre 20 à 35 km. 35 km, c'est la plus longue, je pense, là, qui est sérisinale, qui fait partie de la série de courses. Mais ce qui distingue la course en montagne, c'est que le ratio dénivelé-distance doit être très grand. Fait qu'il doit y avoir beaucoup de dénivelé dans le parcours. Là, s'il y a trop de plats, ben, ça peut pas faire partie de la Coupe du monde. La Coupe du monde, en fait, se déroule de juin jusqu'en octobre. C'est pas mal juste en Europe que ça se passe, malheureusement pour moi. La seule course qui avait lieu en Amérique du Nord cette année, c'était le Broken Arrow. Mais sinon, c'était 100% en Europe. Ok, maintenant parlons de comment la deuxième partie de ma saison s'est passée. Donc, on est maintenant à la fin août. La première course pour ce deuxième bloc de compétition, c'était Challenge Stellina, qui est une des seules courses de ce bloc-là de compétition qui ne fait pas partie de la Coupe du monde. Challenge Stellina, c'est un peu intéressant parce que c'est une course où chaque coureur représente son pays. En fait, la course a lieu dans des montagnes où, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des soldats rebelles qui allaient se réfugier dans les montagnes pour planifier des plans de sabotage contre les armées nazies qui étaient dans la vallée. Donc, à cause de ça, l'événement, c'est un peu comme une commémoration pour ces soldats-là. Donc, les coureurs représentent chacun leur pays. Donc, c'était quand même cool parce que pour la première fois, ben, le Canada, on avait une équipe qui était là. Donc, ça a rendu ça très intéressant. Le parcours, habituellement, c'est un parcours, si je ne me trompe pas, de 14 km pour 1600 mètres de dénivelé. Mais malheureusement, ils annonçaient des orages la journée de la course. Donc, ils ont dû réduire significativement le parcours. Donc, finalement, c'était seulement 6 km pour 800 mètres de dénivelé. Fait que comment la course s'est passée? En fait, ça a été très similaire à ce qui s'est passé lors de mon premier bloc de compétition au mois de juin et juillet, où ma première course avait été ma moins bonne. Fait que, encore une fois, Challenge Stellina, ma première course de mon deuxième bloc de compétition, ça a été celle qui a le moins bien été. Fait que j'ai terminé en 12e position. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi justement ça a le moins bien été. Je pense qu'une des premières raisons, c'est parce que étant donné que mon bloc d'entraînement entre mes deux blocs de compétition, c'était seulement 6 semaines là, quand j'étais au Québec, j'ai vraiment voulu en profiter au maximum. Donc, j'ai vraiment étiré ma phase d'affûtage le plus tard possible avant Challenge Stellina. Fait que ça, je pense que ça m'a affecté. Puis deuxième raison, en fait, c'est que les deux premiers kilomètres de la course, c'était très plat sur la route. En fait, c'était même un petit peu en descendant. Puis c'est parti vraiment, vraiment vite. En fait, pour moi, c'est parti vraiment, vraiment vite. Je pense que ma montre, elle a buggé, là, mais je pense que j'étais à l'entour d'allure en 2 minutes 50 à 2 minutes 55 du kilomètre pour les deux premiers kilomètres. Puis malgré ça, j'étais comme en 25e, 30e position. Puis ça, je pense que pour moi, j'ai brûlé vraiment beaucoup de cartouches dans cette section-là. Parce que dès qu'on est arrivé ensuite dans la montée, même si j'ai rattrapé des coureurs, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas pu pousser comme je suis capable de le faire habituellement. Mais qu'est-ce qui est cool de ce genre d'événement-là, où c'est que les courses sont relativement courtes, c'est qu'on peut se permettre de pratiquement faire des courses à chaque semaine. Donc tout de suite, la semaine d'après, j'ai pu me reprendre à une autre course en Italie, parce que oui, Challenge Stellina, c'était en Italie. Fait qu'une autre course en Italie qui était le Vertical Nasego, qui fait partie de la Coupe du Monde, qui est un événement classé or. Il y a des courses or, il y a des courses argent. En fait, les courses or offrent plus de bourses et plus de points pour le classement de la Coupe du Monde. Fait que c'était un événement or. Cette course-là, très très compétitive. Je pense que tout le monde qui était là le savent. Puis, tu sais, je pense que même tu prends n'importe quelle distance confondue, ultra-marathon, sub-ultra, peu importe, je pense que c'était vraiment
une des courses les plus compétitives de l'année au Vertical Nasego. Malheureusement, on en entend très peu parler dans les médias, mais voilà, c'était vraiment une course très très relevée, fait que c'était très excitant. Le vertical, c'était vraiment un parcours pur vertical, dans le sens que c'était 1000 mètres de dénivelé sur seulement 4 km. Puis surtout, les derniers 2 km étaient très très à pic. C'était une course qui était vraiment excitante parce que, vu que c'était très compétitif, il y avait constamment du monde partout. Là, j'étais toujours dans un groupe en train de courir avec d'autres personnes. Puis c'est ça, à la fin, c'était vraiment seulement des secondes là, qui séparaient chaque coureur. Pour moi, ça a été une bonne course. J'ai terminé en 7e position. En rétrospective, je pense que j'aurais aimé peut-être pousser plus dès le début parce qu'il y a un pack de 6 coureurs qui sont partis dès le départ, puis je les ai jamais revus. Puis moi, je suis comme resté un peu en arrière avec un gros pack de suiveurs, là, si on peut dire ça comme ça. Puis j'ai fini premier du pack de suiveurs, mais peut-être que j'aurais aimé ça, essayer de suivre les 6 premiers maintenant en rétrospective, mais je pense que je ne l'ai pas fait la journée de la course parce que j'avais encore dans ma tête qu'est-ce qui s'était passé la semaine d'avant au Challenge Stellina. Je ne voulais pas que ça se reproduise. Mais voilà, pour moi, c'était une bonne course. Là. Ça m'a rassuré de voir que ben, ma forme à Challenge Stellina, c'était juste, j'avais juste eu une mauvaise journée cette journée-là. Puis que quand même, j'étais en bonne forme là, pour le reste de mes compétitions après. Fait que la journée d'après, il y avait la course Trofeo Nasego qui a eu lieu, qui est un 21 km, là, qui fait aussi partie de la Coupe du Monde, mais j'ai décidé de filmer cette course-là et pas d'y participer, parce que la semaine d'après, je m'en allais en Espagne, où que là, j'allais participer à 2 événements, fait qu'un vertical et un classique up-down, donc je voulais me garder un peu des jambes là, pour faire ce double-là la semaine d'après. Puis justement, ces courses-là avaient lieu à Canfranc, fait que dans les Pyrénées espagnoles. En fait, c'est le lieu aussi que les championnats du monde de course en montagne en 2025 vont avoir lieu. Les parcours vont changer, mais c'est quand même là, à cette ville-là que ça va avoir lieu. Fait que j'ai fait le vertical le vendredi, puis ensuite le classique up-down qui était le dimanche. Fait que pour le vendredi, le vertical, j'étais quand même très nerveux pour cette course-là parce que je savais que c'était une grande opportunité pour moi d'aller chercher beaucoup de points sur le circuit de la Coupe du Monde. Je dis ça parce que le parcours, c'est un bon parcours pour moi. Puis aussi, le niveau était quand même un peu inférieur à d'autres courses de la Coupe du Monde comme Nasego la semaine précédente. Fait que je voulais vraiment en profiter au maximum pour essayer d'accumuler le plus de points possible. Au final, la course, c'est probablement une des courses dont je suis le plus fier de cette année. Et non pas parce que j'ai l'impression d'avoir fait ma meilleure course, mais plus parce que j'ai été capable d'avoir une bonne course lors d'une mauvaise journée. Parce que cette journée-là, les sensations étaient juste pourri, était juste terrible du début jusqu'à la fin. Je m'en rappelle d'une manière distincte, après une minute de course, de déjà être en souffrance, de déjà être dans le rouge, puis déjà être en train de me demander « Oh my God, quand est-ce que ça va finir cette course-là? Je me sens vraiment pas bien. » Mais c'est ça, je suis vraiment fier de moi parce que malgré le fait que ça soit arrivé, j'ai été capable de pas paniquer, puis de juste m'accrocher, puis à continuer à pousser. Puis ça a jamais été facile, il y a jamais eu un moment que j'étais légèrement confortable ou que je commençais à avoir des bonnes sensations. C'était juste toujours difficile. Fait qu'il a vraiment fallu que je puise mentalement pour me pousser jusqu'au fond. Là. Concrètement, comment la course s'est passée, en fait, assez rapidement, j'ai réalisé que la première place, ça allait être impossible, surtout avec comment je me sentais cette journée-là. Il y a mon bon ami, l'anglais Joe Stewart, qui a pris la tête de course assez rapidement. Puis Joe, c'est un excellent coureur, puis je savais que, surtout avec comment je me sentais cette journée-là, c'était juste impossible pour moi de le suivre. Pas mal en deuxième, troisième position, j'échangeais toujours les places avec le français Vincent Lousteau. Puis ça m'a vraiment aidé parce qu'on a vraiment pu juste s'échanger la deuxième place constamment. Fait que des fois, c'est lui qui prenait la tête devant moi, puis moi, je m'accrochais à lui. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est moi qui prenais un peu la tête. Fait que ça m'a vraiment aidé de juste m'accrocher à quelqu'un. Puis c'était vraiment juste ça, je me disais. C'est que je m'en foutais un peu de quel effort. Je regardais même pas ma fréquence cardiaque. J'essayais juste de m'accrocher à cette deuxième position le plus longtemps possible. Puis heureusement pour moi, vers la toute fin, j'ai eu peut-être un petit 30 secondes où c'est que je me sentais légèrement un petit peu mieux, où c'est que j'ai pu accélérer, lancer une attaque, puis ça a été assez pour sécuriser cette deuxième position. Fait que j'étais vraiment content de cette course-là pour justement le résultat, puis aussi comment j'étais capable là, de me pousser mentalement, là, même si j'avais une mauvaise journée. Ensuite, il fallait vraiment que je récupère, puis que je redevienne prêt mentalement à souffrir encore une fois dimanche, parce que le dimanche, c'était le parcours classique up-down de Canfranc.
Fait que c'était un parcours de 16 km avec 1500 mètres de dénivelé positif et négatif. Fait que ça commençait avec 6 km de montée pour justement grimper 1500 mètres. Et là ensuite, on finissait avec 10 km de descente pour tout descendre là, ces dénivelés-là. Puis cette descente-là, c'était de loin... En fait, le parcours en général, c'était de loin le parcours le plus technique que j'ai fait de cette année. Généralement, là, les parcours de la Coupe du Monde sont pas trop techniques, mais il y a quand même des exceptions, comme à Canfranc. Fait que voilà, les descentes, là, c'était des roches pointues dans toutes les directions. J'ai vraiment pas aimé ça, pour être bien honnête. Là. C'est le genre de parcours que je ferais en entraînement pour le plaisir, mais en mode compétition, là, j'ai vraiment pas aimé... T'es comme obligé de prendre des risques, là. Puis en fait, je suis tombé plusieurs fois, dont une fois aussi qu'une roche que j'ai atterri dessus, là, qui est passée vraiment proche de mon œil. La course est partie quand même significativement lentement. J'étais quand même étonné. Là. Je sais pas si c'est parce que je venais de faire trois courses verticales ou si que c'est, tu pousses toujours. Mais j'avais l'impression quand même qu'on y allait quand même assez lentement dans la montée. Maintenant, en rétrospective, c'est évident que j'étais vraiment trop confortable lors de cette montée-là. Puis j'aurais dû justement en profiter pour essayer d'aller chercher la plus grande avance lors de la montée. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait que j'étais en première position au sommet, j'avais pas creusé une assez grande avance. Fait que dans la descente, je me suis juste fait dépasser. Avec 2 km environ à l'arrivée, j'étais rendu en 6e position. Heureusement, c'est devenu un petit peu moins technique puis un peu plus roulant à la fin. Fait que j'ai pu rattraper 2 coureurs pour éventuellement finir en 4e. Ça a été pas mal exactement comme je m'en attendais. La montée a bien été, puis après je me suis fait pas mal détruire là, dans les descentes. Ça a été une bonne leçon d'humilité pour moi de voir à quel point les coureurs allaient tellement vite puis étaient juste capables de voler sur les roches. Puis moi j'étais là sur la pointe des pieds, là, j'étais quasiment pas capable de courir en descente. Mais j'étais quand même content de ça, j'étais quand même content du résultat, une 4e place sur un parcours qui, selon moi, m'avantageait vraiment pas. J'étais quand même content avec ça. Fait que la semaine après Canfranc, c'était la seule semaine de mon voyage où je n'avais pas de compétition. Fait que j'en ai profité pour faire un petit peu plus de volume, faire des entraînements d'intensité un petit peu plus longs que je n'ai pas l'habitude de faire quand j'ai des compétitions à chaque semaine. Puis ma prochaine course, la semaine d'après, c'est une course qui s'appelle Hochfelnberglauf en Allemagne. Tout proche de la frontière avec l'Autriche, puis assez proche de l'Italie aussi. Puis c'est une course qui anciennement faisait partie de la Coupe du Monde, mais cette année ne le faisait pas. En fait, c'est une course que, si j'avais à dessiner un parcours parfait pour moi, je pense que ce serait le parcours de Hochfelnberglauf. Une course de 7,2 km avec 1050 mètres de dénivelé. Je dis que c'est un parcours parfait pour moi parce que c'était 100% courable. Mais c'était quand même très à pic. Je pense qu'à part le premier kilomètre, c'était pas mal toujours entre 15 et 25%. Puis ça, je pense que c'est vraiment parfait pour moi. Puis toujours en montée, même pas de petite relance sur le plat ou en descente. Fait que pour moi, ça a été vraiment parfait. Puis cette course-là, ça a été vraiment satisfaisant pour moi parce que j'ai pu exécuter mon plan de match à la perfection. J'étais allé voir le parcours un peu là, la journée avant la course. Puis j'ai analysé vraiment attentivement le parcours sur Strava. Puis en analysant ça, je m'étais planifié à l'avance que exactement au kilomètre 3.8 sur une section qui était un petit peu plus à pic, je m'étais dit « alright, c'est là que je vais essayer de lancer une attaque ». Fait que mon plan c'est de rester avec le peloton de tête jusqu'à ce moment-là, puis là au kilomètre 3.8, je vais essayer de lancer une attaque pour avoir une avance assez significative qui me permettrait de m'enfiler pour la victoire. C'est littéralement exactement ça qui s'est passé la journée de la course, puis ça c'était vraiment satisfaisant là, d'avoir un plan, puis ensuite de l'exécuter. Fait qu'on est parti quand même à un pack de peut-être 10 coureurs pour les premiers kilomètres. Puis là, rendu au kilomètre 3.8, je pense qu'on était rendu 4. Puis là, exactement au moment que je planifiais le faire, j'ai lancé une attaque qui m'a permis de assez rapidement avoir une bonne avance. Et j'ai été capable de conserver cette avance-là jusqu'à la toute fin pour finir premier en 43 minutes 59. J'étais évidemment vraiment content de cette course-là. T'sais, j'avais vraiment des bonnes sensations pendant la course. Puis c'est vraiment des sensations magiques là, du début jusqu'à la fin, là, ce qui arrive très rarement, j'ai l'impression, en course. J'étais aussi vraiment content d'aller chercher la victoire parce que, surtout cette année, j'ai l'impression que j'ai fini deuxième beaucoup de fois. Fait que je voulais comme me convaincre que je suis aussi capable de vraiment juste finir premier d'une course.
La semaine d'après, j'étais de retour sur le circuit de la Coupe du Monde pour une course qui avait lieu pour la toute première fois, une course qui s'appelle le Primiero Dolomiti Trail, fait qu'une course qui avait lieu dans les Dolomites en Italie. C'était un parcours qui, étonnamment, m'a beaucoup plu. En fait, c'était un parcours sur une boucle de 3 km qu'on a fait 3 fois. Puis sur chaque boucle de 3 km, il y avait 150 mètres de dénivelé positif et négatif. Fait que c'était une montée, une descente, puis un peu de plat. Puis on répétait cette boucle-là 3 fois. Ça a fait une ambiance vraiment cool parce que à chaque fin de boucle, à chaque fois qu'on repassait dans le village, ben c'était vraiment juste le fun de passer dans le village à chaque fois. Puis le fait qu'il y ait tellement de parties distinctes sur le parcours, ça a rendu ça vraiment intéressant en termes de compétition parce que on était vraiment capable de voir entre coureurs, bon, mais quel coureur était favorisé quand c'était en montée, quel coureur était meilleur en descente sur le plat, etc. Fait que ça a rendu la compétition vraiment intéressante. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'était comme un peu une course de cross-country, mais en montagne. J'étais encore un peu sur mon high de la course la semaine précédente. Puis j'étais encore, tu sais, j'avais encore beaucoup de confiance grâce à ma victoire. Fait qu'à cause de ça, je m'étais vraiment dit que je voulais prendre des risques cette journée-là. Que je m'étais dit, j'aime mieux exploser puis avoir une course terrible que d'avoir une course correcte, mais de pas avoir tenté ma chance. Fait que je voulais vraiment prendre des risques, y aller vite dès le début, puis me donner le plus de chances possible de finir sur le podium. Les premiers tours, la première boucle, déjà là, c'était très difficile. J'étais vraiment quasiment à mes limites, là. J'ai été vraiment chanceux, en fait, en rétrospective, parce que ma fréquence cardiaque que je mets à la poitrine n'a pas fonctionné cette journée-là pour comme la première fois. Puis ça, c'est quelque chose que, ben, si vous me connaissez, là, vous savez que je regarde vraiment beaucoup ça. Je pense que si j'avais vu ces données-là, probablement que j'aurais, ok, wow, faut peut-être que je ralentisse un peu. Mais étant donné que je n'y avais pas accès, ben, j'ai juste continué à pousser. À la fin de la première boucle, j'étais en cinquième position. À la fin de la deuxième boucle, j'étais ex aequo en deuxième position avec Henri Aymonod, un coureur italien là, qui est super bon, là, course en montagne. Puis dans la dernière boucle, je savais que ben moi, fallait vraiment que je pousse en montée parce qu'il était meilleur que moi dans la descente. Fait que j'ai poussé dans la montée pour aller chercher, je pense, une avance de peut-être 15-20 secondes au bout de la montée, qu'il a presque réussi à me rattraper pendant la descente. È stato apprezzato da tutti e si vede da queste immagini, non c'è niente da dire. Leroux, Rémi Leroux, è secondo, è sempre secondo, mantiene saldamente dunque la seconda posizione alle spalle del nostro Xavier Chevrier e terzo rimane quindi Henri Aymonod, salvo sorprese, no, è sempre lui, eccolo qui con il 4 e la canotta verde, i pantaloncini blu, è lui il quarto, il terzo, scusate, che sta tenendo dunque botta, però Leroux è davvero molto molto forte. È difficile recuperare a questo punto la seconda posizione sul canadese. Ma vediamo se Aymonod rischia questo pezzo, può forse ancora rientrare, non è così grande il gap, ma stiamo a vedere cosa succederà nel finale. Vedete, sono poche decine di metri. Eh sì, non è lontanissimo, infatti, però... Ti appaiati, si deve guardare indietro Rémi Leroux che però ottiene la seconda posizione su un bravissimo Henri Aymonod che ha tentato la lungo finale, non c'è riuscito, ma tanti applausi anche per l'altro austano che si prende il terzo posto e quasi quasi il secondo. No, infatti, come dicevamo prima, non era scontato per il canadese mantenere la seconda posizione. Il è vraiment fallu che je fasse un sprint maximal à toute fin pour conserver cette deuxième place. Cette deuxième place-là qui, selon moi, est un de mes meilleurs résultats de cette année. Je pense que j'ai très bien fait ma course, mais je pense aussi que le peloton était très compétitif. Fait que voilà, j'étais vraiment content là, de cette course-là. La semaine d'après, je me suis rendu à un nouveau pays pour moi, en Slovénie, plus précisément à la capitale, à Ljubljana, où j'ai participé à la prochaine étape de la Coupe du Monde, à la Smarna Gora Race, qui est une course légendaire, historique, qui existe depuis 1979. Fait que comme un peu j'ai fait à Canfranc, à Ljubljana, j'ai participé à deux courses. Donc le vendredi soir, j'ai participé au prologue, qui était une course très courte de seulement 1,6 km, juste en montée pour grimper, je pense, 320 mètres de dénivelé positif. Et là, c'était suivi le samedi matin par la course classique de 9 km avec 750 mètres de dénivelé positif et 350 mètres de dénivelé négatif. Fait que ça, c'était comme une grosse montée, une grosse descente, et là on finissait avec une autre grosse montée pour terminer
en haut de la montagne. Pour commencer le vendredi pour la course prologue, bien évidemment, vu que c'était une course qui était très courte, ça veut dire que c'était très, très intense. Fait que j'ai fini en deuxième position en 11 minutes 24. Mais genre, il y avait comme 4 gars qui ont fini dans les 10 secondes après moi. Fait qu'une course très, très serrée, très, très difficile évidemment. La course classique, 9 km, ça c'était une course un peu comme le prologue, ça a été une course très très serrée. En fait, le top 6 à la ligne d'arrivée, on a fini dans un écart de 50 secondes sur une course qui a duré 43-44 minutes. Ouais, il y a eu beaucoup de dépassements parmi le top 6. La tête de course allait changer très très fréquemment. Des fois j'étais 6e, des fois j'étais 2e. Ça a vraiment changé à beaucoup de moments pendant la course. Puis à 2 km de l'arrivée, j'étais en 5e position. Puis honnêtement, à ce moment-là, je me disais, man, je sais pas comment je vais faire pour arriver sur le podium. Ça va être vraiment difficile. Mais j'ai juste réussi à m'accrocher, puis avoir une excellente fin de course pour éventuellement dépasser deux coureurs là, dans les deux derniers kilomètres pour terminer en 3e position. J'étais un peu mitigé après cette course-là parce que à la fois, j'étais content. Tu sais, j'avais fini 3e. Puis j'aurais pu facilement finir 5-6e. Mais en même temps, il y avait une partie de moi qui était comme « Ah, mais je sais que c'est le genre de course que si j'avais fait quelques petits ajustements pendant la course, j'aurais pris quelques décisions, mettons, de suivre quelqu'un ou pas plutôt dans la course, mais peut-être que ça m'aurait permis de peut-être gagner. » Mais bon, c'est toujours comme ça pour chaque course. Fait que la semaine suivante, ça, c'était mon dernier arrêt en Europe pour la finale de la Coupe du Monde qui avait lieu aux îles Canaries. Fait que avant cette fin de semaine-là, mon classement au global sur la Coupe du Monde était en 3e position. Les deux premières positions étaient aux deux Kenyans, fait que Patrick Kipnegano et Philemon Kiriago. Ensuite, il y avait moi en 3e et le 4e, Joe Stewart, suivi des Italiens Henri Aymonod et Andrea Rostan. Et mon objectif cette fin de semaine-là, c'était le plus possible d'essayer de rester au moins dans le top 5. Puis je me disais même que si je suis capable d'avoir des courses extraordinaires, peut-être que je vais être capable de conserver ma 3e position. Je savais que ça allait être vraiment difficile parce que Joe Stewart, qui était en 4e, ben, il m'avait battu à toutes les courses que j'avais faites à date cette année-là. Puis en plus, il y avait une course de moins. Ils prennent tes meilleurs 6 résultats, puis il y avait seulement 5 résultats. Fait que je savais que bon, il y a alors quand même des bonnes chances là, de me devancer. Malheureusement pour nous, l'organisation a dû changer drastiquement les parcours cette fin de semaine-là à cause de la chaleur, parce qu'en fait, il faisait tellement chaud aux îles Canaries qu'il y avait des risques de feux de forêt. Puis c'est un peu bizarre, là, mais la façon que ça fonctionne là-bas, c'est que plus que t'es haut en altitude, plus qu'il y a d'arbres. Fait qu'en fait, les restrictions que les événements avaient, c'est qu'on n'avait pas le droit... Il n'y avait pas le droit d'avoir des événements en haut d'une certaine altitude qui était quand même assez basse. Je pense que c'était comme 400 mètres d'altitude. Fait que c'était vraiment difficile, c'était vraiment compliqué pour les organisations de faire des parcours de course en montagne en bas de 400 mètres d'altitude. Fait qu'ils ont dû changer vraiment drastiquement les parcours. Fait que par exemple, le kilomètre vertical qui était supposé être un vrai 1000 mètres de dénivelé, finalement c'était seulement 350 mètres de dénivelé sur 4 km. Fait que justement, ça a été la première course à laquelle j'ai participé. Fait que c'était un premier 2 km qui était comme un faux plat montant, suivi du dernier 2 km qui était quand même de la bonne montée là, jusqu'à l'arrivée. Puis ce qui était encore plus bizarre de cette course-là, c'est que c'était sous forme de contre-la-montre. Fait que chaque coureur partait à des intervalles de 30 secondes. Fait que c'était vraiment difficile de gérer son effort. Premièrement, parce que on n'a pas vraiment l'habitude de faire autant de plats avant de la montée, mais aussi parce que tu sais pas vraiment les autres coureurs se situent où par rapport à toi. Fait que ça a été une course quand même, ben évidemment, très très difficile. C'était beaucoup plus court aussi de ce à quoi on s'attendait. Je pense que ça m'a pris seulement 18 minutes pour compléter la course. Et j'ai terminé en 6e position. J'étais un petit peu déçu du résultat. Je visais vraiment le top 5, puis là, de finir 6e à seulement 5 secondes du top 5, c'était un peu décevant. Puis là, en plus, j'ai réalisé cette journée-là que bon, ben, la 3e position sur le classement final de la Coupe du Monde, ça allait être impossible parce que Joe Stewart, qui était 4e juste derrière moi au classement, ben, il a fini premier de cette course-là, fait qu'il a gagné beaucoup de points. Fait que ça allait être pas mal impossible pour moi d'aller rechercher la 3e position là, au classement final. 2 jours plus tard, pour ma dernière course en Europe, c'était le parcours classique de la Coupe du Monde. Encore une fois, ils ont dû modifier grandement le parcours pour cet événement-là, en fait. Fait que c'était 19 km pour seulement 600 mètres de dénivelé. Ça avait été un parcours évidemment très rapide vu qu'il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Puis j'ai vraiment réalisé lors de la course que justement,
j'ai beaucoup de travail à faire. Et puis c'est justement, je pense que je vais consacrer une bonne partie de mon de ma période de hors saison cet hiver pour travailler sur ma vitesse sur le plat. Parce que je réalisais que vu qu'il y avait très peu de dénivelé sur les sections aussi, que c'était un peu plus plat, c'est là que je perdais quand même significativement du temps sur les autres. Fait que finalement, j'ai encore une fois terminé en 6e position. Fait qu'encore une fois, un petit peu décevant de finir proche de mon objectif qui était là, le top 5 là, pour cette course-là. Mais ça m'a quand même permis de conserver là, la 4e place au classement final de la Coupe du Monde. Fait que c'est ce qui a mis fin à ma saison en Europe. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait pour ma saison au complet. Je pense que j'ai été vraiment étonné de voir premièrement que je me suis jamais blessé tout au courant de l'année. Ça, je pense que c'est principalement dû au fait que la majorité de mes courses étaient en montée. Puis c'était des courses qui étaient relativement courtes. Fait que ça m'a permis de pas trop avoir d'impact musculaire. Fait que vraiment aucune blessure. Pour une des premières fois dans ma carrière, ce qui est vraiment quelque chose que je suis vraiment content là, parce que ça aurait facilement pu ruiner ma saison. Mais aussi, je suis quand même assez content de voir que j'ai pu tenir un bon niveau de forme tout au courant de l'année. Surtout lors de ce deuxième bloc de compétition. T'sais, j'ai passé comme 8 semaines avec quand même peu de volume au total. Parce que t'sais, vu que tu as des compétitions à chaque semaine, ben, tu peux pas vraiment te permettre de faire beaucoup de volume entre chaque compétition. Mais je suis quand même étonné que malgré ça, j'ai pu tenir un bon niveau de forme tout le long. Par contre, c'est pas pour dire que le volume, c'est pas important. Au contraire, je pense que le volume, c'est vraiment important. Je pense que t'sais, avant, en préparation pour des compétitions, je pense que c'est vraiment important de faire beaucoup de volume. Sauf que je suis quand même étonné de voir comment tu peux survivre plusieurs semaines après, même si ça fait longtemps que tu as construit ton volume. Fait que j'espère que ça fait du sens qu'est-ce que je dis. Fait que voilà, c'est ce qui a mis fin à ma saison. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à la Coupe du Monde ou quoi que ce soit, ça me ferait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Fait que vous pouvez laisser des commentaires ici ou m'envoyer des messages sur Instagram. Je pense que beaucoup de gens qui seraient vraiment intéressés à faire ce circuit-là, mais simplement ne le connaissent pas. Fait que je veux vraiment, c'est ça, être quelqu'un là, un peu une ressource un peu là, pour expliquer davantage là, sur exactement en quoi ça consiste pour que j'espère ça puisse devenir plus populaire en Amérique du Nord puis qu'il y a aussi des courses éventuellement qui pourraient avoir lieu en Amérique du Nord. Ça serait vraiment vraiment cool. Fait que voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, puis voilà, on se voit très bientôt. Bye.